Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine, je suis pas hyper en avance, il est 35, normalement je pars à 40. Donc bon, on va vlogger vite fait avant de partir. Du coup, je vais vous prendre la voiture, hein, comme d'habitude. Donc j'en suis très contente de cette voiture, elle roule très bien, elle est juste un peu grande. En fait elle est immense, hein. Voilà. Pourtant je suis habituée aux 7 places, hein, puisque moi j'ai un Zafira. Donc, mais non, celle-là elle est immense, c'est clair que je ne pense pas que je resterai sur cette voiture. Maintenant, j'avoue que j'ai apprécié hier que toutes mes courses rentrent dans le coffre. Quand j'aurai une Clio, il faudra que la voiture soit vide parce que la banquette arrière complétera le coffre, à mon avis. Mais non, celle-là, elle est vraiment... Enfin, au niveau volume, elle est énorme. Mais bon, elle est quand même très bien. Je suis désolée, ce matin, je vous reprends sans maquillage parce que je ne sais pas pourquoi Anaïs a pris mon maquillage. Certainement pour faire des essais de je sais pas quoi comme d'habitude. Sauf qu'en fait, elle a rien remis à sa place. Donc ce matin, j'avais rien. J'avais pas mon pinceau pour faire mes sourcils. Donc j'ai été obligée de les faire au crayon. Ce qui, je trouve, rend moins bien qu'avec la poudre. Mais bon, c'est toujours ça. C'est mieux que rien. Et par contre, j'ai pas de mascara. Donc vous voyez, je suis à l'état brut en fait. Donc bon, je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, je me dis en même temps, je vais juste travailler. Hein. Je vais pas à un rencard. C'est pas grave. Mais voilà, j'avoue que j'étais un petit peu saoulée. D'ailleurs, je lui ai laissé un mot sur le miroir de la salle de bain pour lui dire « Merci de ne pas utiliser mon maquillage si tu n'es pas capable de le remettre à sa place. » Donc, elle va comprendre, je pense, que j'étais un peu fâchée. Donc, ce matin, il pleut. Je vois la voiture de... Là, la voiture. Je vois la poubelle de la voisine. Il faut que je sorte ma poubelle. Non, je vais essayer de pas abîmer la voiture, ce serait bien. Enfin, je pense que c'est aujourd'hui que je vérifie. C'est ça. Je vérifie chez les voisins si tout le monde le fait. Enfin, quoi que ça se trouve, elle n'a même pas besoin d'être sortie. Il n'y a rien dedans, à part des mouches. Oh là là, quelle horreur. Mettra du... Alors hier, je suis allée chez Leclerc. J'ai fait toutes mes courses. J'ai acheté des disques pour mettre sur les fenêtres pour les mouches. Je crois, je suis pas sûre, mais je crois que je les ai mis à l'envers. Donc à mon avis, ils ne vont pas fonctionner. Il faudra que je vérifie ça ce soir. Bref, du coup, j'ai toujours autant de mouches dans la maison, ça me dégoûte. Et j'ai oublié d'acheter le spray. Parce que moi, j'ai toujours un insecticide à la maison parce qu'il n'y a pas que les mouches qui me dérangent. Hein. Donc, et là, pourtant, j'y suis allée. Hein. J'étais dans le rayon, j'ai regardé les bombes, je savais pas laquelle prendre. Au final, voilà, je suis partie sans. Allez comprendre. Bref, du coup... Il va falloir que j'y aille, il est bientôt l'heure. Bon, bah c'est parti, je pars au boulot. Je vous reprendrai du coup ce soir, puisque dans la journée, je suis au boulot avec mes collègues. Donc forcément, je vais pas prendre mon téléphone pour vloguer, hein, n'est-ce pas? Et puis voilà, oui, si, c'est ça, il faudrait que je vous reparle des vacances. Alors, je vais peut-être vous faire une vidéo pour lundi, vu que le challenge budget, il est fini. Enfin, il est fini. Je vous redonnerai mon ressenti, enfin mes impressions dans quelques temps, mais pour l'instant j'ai pas d'autres vidéos à faire sur le sujet. Donc lundi je vais vous faire une vidéo sur l'organisation de nos vacances en fait, parce que évidemment il y avait des choses de prévues, tout a changé, enfin bref c'est un peu compliqué. Donc je vous ferai ça pour lundi, ça sera une vidéo à mon avis pas très longue, mais qui aura le mérite d'exister. Voilà, du coup c'est parti, il faut que j'aille bosser parce que sinon je vais être en retard. Bon les amis, je vous reprends, on est samedi matin. Ouais, en fait hier la journée était pas enfin, je vais pas dire que c'était pas hyper intéressant, mais en fait elle est passée tellement vite que j'ai pas pris le temps de vlogger en fait. Donc en vérité, j'ai travaillé toute la journée comme d'habitude. J'ai terminé à 17h30, je suis rentrée directement à la maison. Mais en fait, en arrivant à la maison, mon téléphone a sonné, c'était un numéro de portable que je ne connaissais pas. Et j'ai décroché en me demandant qui c'était. Et en fait, c'était Elsa qui m'appelait avec le téléphone de la fille de la copine d'Eric. Du coup, on a discuté pendant plus de 40 minutes. Et en fait, en discutant, j'ai eu l'idée de proposer à Anaïs d'aller manger au Chinois hier soir, que toutes les deux, du coup, puisqu'on est que toutes les deux. Et ça la tentait bien. Donc, du coup, on est allé manger au Chinois. Donc j'ai attendu qu'elle rentre évidemment, et puis on est allé manger au Chinois, et finalement en rentrant hier soir, elle m'a dit « Non mais en fait, je vais aller dormir au Mets ». Alors dormir au Mets, ça veut dire dormir dans l'appartement d'Eric. Donc
Elle est partie, du coup, elle a préparé des affaires et puis elle est partie dormir là-bas parce que quand elle va là-bas, ça lui donne l'occasion de dormir avec son chéri puisqu'il habite dans la commune juste à côté. Donc forcément, elle a eu envie de partir. Donc, elle est partie dans l'appartement. D'ailleurs, elle déménage dans l'appartement demain. J'ai pas l'intention de participer au déménagement parce que, comme je lui ai dit, je l'ai déjà déménagé, emménagé dans sa chambre là-bas. Je l'ai déménagé pour qu'elle revienne ici. Donc là, j'avoue, j'en ai marre. Hein. On fait pas ça. Enfin, on déménageait tous les mois. Déjà, moi, je déménage souvent. Alors, et du coup, je lui avais dit, oh, par contre, je dis, je veux bien prêter ma voiture, mais tu. Donc, je parle bien du Zafira, hein, pas du Scénic. Je lui dis, par contre, tu te débrouilles, quoi. Tu trouves quelqu'un pour la conduire. Et donc, du coup, elle a vu avec Eric, et c'est Eric qui va gérer son déménagement. Du coup, ils feront ça demain, et c'est trop cool parce qu'en fait. Quand Eric va venir pour déménager Anaïs, il va emmener les enfants avec lui. Comme ça, moi, je vais pouvoir passer du temps avec eux, le temps que lui déménagera Anaïs. Donc, je suis vraiment contente. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec une abonnée. Une abonnée qui était là il y a déjà longtemps sur la chaîne, qui habite en fait à une demi-heure de chez moi et qui, depuis très longtemps, m'a proposé de me donner des vêtements pour les enfants. Elle m'avait dit, il faudra qu'on se voit et tout ça. On devait se voir un jour, et puis finalement, elle a pas pu parce que bon, voilà, elle avait des choses à faire avec son mari. Finalement, elle m'a recontactée, là, il y a pas longtemps, en me disant, ça serait quand même bien qu'on se voit. Alors, j'ai oui, pas de problème. Et du coup, je lui ai dit, par contre, moi, ça sera forcément un week-end. Et elle m'a dit, écoute, si tu veux, ce samedi. Donc, même voilà. Donc, cet après-midi, j'irai donc chez cet abonné qui s'appelle Magali, comme moi. Et je vais aller la rencontrer et puis récupérer du coup ce qu'elle souhaitait me donner. C'est très gentil de sa part d'ailleurs parce que on n'est pas obligé hein, de donner. Il y a aussi les beignes. Elle aurait pu s'en débarrasser bien avant de toutes ses affaires et elle les a gardées exprès pour moi. Donc c'est très gentil. Voilà. Du coup, après ça, il faut que je passe chez Orange parce que j'en ai ras-le-bol. Il faut que je modifie mon forfait à la baisse. Puisque j'étais sur un forfait de 150 gigas engagé jusqu'au mois de mai. Mais depuis le mois de mai, en fait, il aurait fallu que j'y retourne pour le réduire. Et malheureusement, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas trouvé le temps de le faire. Et puis avec les règles Covid, machin, tout ça, c'était pas évident non plus. Donc je vais essayer d'y aller cet après-midi parce que je pense que pour aller chez Magali, je dois passer par Cholet. Je crois. Faut que je revérifie mon itinéraire, mais je crois. Et si c'est le cas, du coup, je m'arrêterai à Cholet en rentrant de chez elle. Puisque de toute façon elle m'a dit qu'elle avait quelque chose de prévu à 4h30, donc quoi qu'il en soit, je sais que je ne resterai pas longtemps. Et donc, en rentrant sur le chemin, je passerai chez Carrefour pour aller chez Orange voir. Si je vais chez Orange, c'est surtout pour baisser mon forfait et puis voir pour qu'il me renvoie des nouvelles télécommandes parce que mes deux télécommandes de box télé ne fonctionnent pas. J'ai eu beau faire les appairages, etc. Les télécommandes ne fonctionnent pas. J'avais appelé le 3900 où on m'a dit qu'on m'en envoyait une. Enfin non, j'ai pas appelé, j'ai eu une conversation en chat. Je l'ai jamais reçue. Donc, c'est pas tip top. Donc voilà, je vais aller prendre ma douche. Je vais regarder pour cette histoire de télé. Bon les amis, je vous reprends de la voiture. Du coup, il est 40, je vais être en retard. J'ai une demi-heure de route. Du coup, je vais partir donc rencontrer Magali. J'ai une coiffure de mort. D'ailleurs, j'espère que j'ai pris un élastique parce que je ne pense pas garder cette coiffure toute la journée. C'est une catastrophe. Je suis pas sûre d'avoir un élastique, malheureusement. Parce que je me suis lavé, si c'est bon. Parce que je me suis lavé les cheveux et je voulais pas les sécher parce qu'il fait trop chaud et du coup j'avais pas le courage de sentir la chaleur du sèche-cheveux. Mais du coup je suis un peu coiffée comme une folle. Donc c'est pas top. Donc là je pars chez Magali. Ensuite je repasserai par Cholet parce que j'imagine que c'est le chemin, mais à vérifier. J'irai de toute façon à Cholet puisque je dois y aller. Et puis faut que j'aille chez Orange, faut que j'aille chez Kiabi. Vite fait chez Carrefour, donc Orange est dans la galerie de Carrefour, donc c'est nickel. Et puis ensuite je rentrerai à la maison, me faire une petite soirée tranquillou. Je voulais désherber le potager aujourd'hui, mais il fait une chaleur, c'est horrible. Donc peut-être ce soir à la fraîche, je verrai. Si j'y pense, parce que souvent je me dis et en fait le soir j'y pense plus, donc je vais essayer. Je dois aussi préparer un discours parce que demain j'ai un discours à faire à l'église demain matin, donc je ferai ça ce soir tranquillement, de façon concentrée, n'est-ce pas,
J'aime pas mes cheveux, là ils sont moitié mouillés, moitié secs, c'est désagréable. Puis alors j'ai encore un volume, c'est énorme. Donc bah, c'est parti, j'y vais et puis je vous reprendrai en fin de journée. Je vous raconterai comment ça s'est passé chez Orange. J'appréhende un peu, j'avoue. Bon, bah, je vous reprends, il est 19h15. Donc, je suis rentrée depuis, on va dire un quart d'heure. Parce que j'ai monté le vlog jusque là en fait. Donc dès que je suis rentrée, je me suis installée tout de suite. Du coup, ben effectivement, cette journée, c'était un peu la course, mais c'était une journée très 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 agréable. Bon, ce matin, je vous cache pas que j'ai juste pris un bain, en fait. J'y suis restée au moins 2 heures. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas. J'ai trouvé la télé. Donc ça c'est bon, je l'ai commandé, j'en ai pour 38 euros par mois, donc ça me va bien. Je l'aurai la semaine prochaine. Du coup, bah, je vais déménager en fait mon ordinateur. Je vais monter cette télé avec mon ordinateur dans ma chambre. Et puis, je mettrai la nouvelle télé ici, puisque ce sera une télé connectée. Et comme ça, les enfants pourront regarder YouTube, etc. Enfin, ce sera plus simple pour eux. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, je suis allée chez Orange. C'est une catastrophe. J'arrive à l'entrée, donc évidemment il y a des personnes qui filtrent. Hein. Il y a quasiment personne dans la boutique. C'est vraiment que, je pense, les ventes, les ventes, les ventes. Donc moi je suis arrivée, on m'a demandé pourquoi je venais, donc j'ai expliqué. Elle m'a dit bah vous allez sur, désolée pour les mouvements. Elle m'a dit bah vous allez sur votre espace perso Orange et enfin sur Orange et moi et vous pouvez le faire de votre téléphone. Je dis bah non parce que quand je vais sur mon téléphone, ça me demande 450 euros de frais. Donc, elle me dit, vous l'avez sur vous, votre téléphone? Je dis, bah oui, normalement, je l'avais oublié dans la voiture, pas de bol. Donc, elle me dit, bah vérifiez, et puis si jamais il y a un souci, bah vous revenez. Je dis, ok. Donc, je suis partie faire mes petites courses. Je vais parler pour mes télécommandes de box, puisque en fait, comme je l'expliquais, j'ai 2 box télé, et les 2 télécommandes ne fonctionnent pas. Du coup, elle m'a dit qu'en fait, j'avais juste à ramener les télécommandes, ils vont me faire un échange, tout simplement. Donc, bah, c'est ce que je ferai. J'irai peut-être lundi, je verrai. Et puis, ensuite, je suis allée chez Kiabi pour échanger les vêtements que j'ai achetés à Elsa. Enfin, c'est pas les vêtements, c'est juste un petit top qui était trop grand pour elle. Au final, bah, c'est compliqué parce que il y en avait plus. Donc du coup, j'ai essayé de l'appeler pour savoir ce qu'elle voulait que je prenne à la place. Elle m'a pas répondu, j'ai appelé plusieurs fois. Du coup, j'ai fini par appeler son père qui m'a pas répondu non plus. Donc bah j'ai fini par, comme j'avais déposé l'article à l'accueil, je me suis dit bah je vais pas aller lui dire non bah désolé, finalement je reviendrai faire l'échange plus tard. Ça me saoulait déjà de me dire qu'il allait falloir que je revienne. Donc bah du coup, je me suis pris quelque chose pour moi. Je vais vous montrer, mais c'est pas grand chose. Hein. C'est juste un petit top. En gros, j'avais 12 euros à dépenser, j'ai dépensé 12 euros, quoi. En gros, c'est ça. Je vais essayer de le mettre sur mes jambes pour vous montrer. Voilà, c'est un petit top, voilà, comme ça. J'ai pris aussi un débardeur en coton pour mettre en dessous parce que, vous voyez, les décolletés, ça va vite. Hein. Et du coup, ben, désolée, comment je vous secoue aujourd'hui, je sais pas ce que je fais. Bah du coup ouais, je suis rentrée après à la maison et puis bah j'ai fait le montage et voilà. Donc mon après-midi avec Magali s'est très très bien passé. Franchement, j'ai eu un coup de cœur affectif, mais vraiment j'étais surprise, je m'attendais pas à ça. Je suis arrivée enfin c'est quelqu'un de très agréable, donc dès que je suis arrivée tout de suite elle m'a proposé à boire, on a pris un verre et tout, enfin c'était super sympa quoi, on a discuté comme si on se connaissait depuis des années alors que enfin moi je connais pas grand chose d'elle. Elle me dit oh, j'ai l'impression de te connaître, mais c'est parce que voilà, comme elle regarde les vlogs forcément elle sait beaucoup de choses de moi, ce qui n'était pas mon cas, et donc on a beaucoup discuté, enfin surtout moi j'avoue, et puis elle me posait des questions par rapport à ce que je racontais dans les vlogs et par rapport à la réalité, donc elle en sait un peu plus que vous pour le coup, mais non, vraiment conversation très fluide. Pas de blanc dans les conversations, son fils était avec nous, il est gentil comme tout, sa fille est passée une beauté. Enfin bref,
super moment. J'avais l'impression d'être avec une copine, quoi. Donc, c'était vraiment top. Et j'ai trouvé ça trop mignon parce qu'elle m'a envoyé un super gentil message après. Je vais pas dire que ça m'a mis les larmes aux yeux, mais ça m'a vachement touchée, en fait. Elle m'a envoyé un message pour me demander si elle pouvait garder mon numéro parce qu'elle avait beaucoup apprécié notre moment passé ensemble et que elle aimerait bien qu'on reprenne le temps de prendre un café, discuter, etc. Alors carrément, mais je suis à fond pour. Et du coup, elle me disait que elle me trouvait plus mince en vrai que dans les vidéos et que j'avais vraiment pas à avoir honte de mon corps et ni de ce que je suis une jolie femme, que et ça m'a foutu les boules. Je me suis dit bah j'avais ouais si j'ai presque eu les larmes aux yeux quoi, parce que moi je me vois pas du tout comme ça et honnêtement quand je me regarde dans la glace j'ai envie de pleurer quoi, donc c'est bah ça fait malgré tout plaisir à entendre, même si moi j'ai pas cette vision de moi-même, mais en tout cas j'ai trouvé ça vraiment très gentil. Et puis son accueil, enfin elle m'a donné, ah bien d'ailleurs j'ai oublié de sortir les sacs de la voiture, il faudra que j'aille les chercher. Elle m'a donné plein de vêtements pour Com principalement, et puis un petit peu pour Elsa aussi j'ai pris. Il y a des livres aussi, j'ai pris des DVD, enfin elle m'a dit en fait elle avait fait un gros tri, et donc du coup elle m'a dit tu prends tout ce que tu veux, le reste je mets du coup à la déchette. Donc bah, je suis très contente parce que j'ai récupéré plein de trucs, notamment beaucoup de sweats pour Com, et ça c'est juste un plein bonheur. Pareil, un manteau d'hiver, un pour Elsa et un pour Com d'ailleurs, en super bon état, un petit bombers pour l'été, enfin une petite veste mi-saison pour l'été, je pense qu'il va adorer cette veste. Donc non, je suis vraiment vraiment très contente. Donc Magali, je sais que tu vas regarder ce vlog, je te remercie infiniment. Et bah dis-moi quand t'as un moment de dispo, soit tu viens chez moi, soit je viens chez toi, mais franchement, je suis partante à fond les ballons. Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié cet après-midi. Donc voilà, du coup bah là je vais finir le montage de ce vlog, je vais ensuite, je pense regarder une petite série ou peut-être d'abord faire mon discours. Ouais, je vais faire mon discours d'abord parce qu'il est quand même que 19h20, et puis ensuite je ferai je me mettrai une petite série et puis je vais rester devant la télé, je pense, ce soir. Du coup, j'ai absolument pas fait de ménage aujourd'hui, hein. Comme je le dis à chaque fois, je dis des trucs et puis au final, la journée se passe autrement. Par contre, de toute façon, ce sera le programme de demain ou de lundi, hein, puisque je serai toute seule et je ne travaille pas lundi ni mardi. Donc, je vous montrerai, hein. De toute façon, je vloguerai tout ça. Du coup, j'ai tourné ce matin la vidéo pour lundi. Donc, parce que je compte pas vlogger demain, même si je suis en week-end prolongé, je mettrai des stories sur Insta, par contre, vu qu'il y aura les enfants et tout ça, je pense que je partagerai des choses sur Insta, mais pas en vlog. Du coup, lundi, je vous ai tourné la vidéo d'explication de nos vacances, et puis, qui ont complètement changé, du coup, du fait que je suis retournée travailler. Et puis, du coup, mardi, retour des vlogs. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre engouement, vos commentaires hyper agréables, pour vos compliments sur ma personne, parce que je reçois beaucoup de compliments et honnêtement, comme je le dis encore une fois, moi je me vois pas comme ça, mais ça fait malgré tout plaisir de lire ça, parce que si c'est l'image que je dégage, eh bien j'en suis ravie, vraiment. Mais en tout cas, ça me fait super plaisir, donc n'hésitez pas à continuer, laissez vos messages, c'est le top du top. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à mardi pour un nouveau vlog. Ciao !